Salut à tous! Très récemment, Rolls-Royce nous a fait le plaisir de nous présenter enfin son SUV, ou en tout cas son 4x4 très haut de gamme, le Cullinan. Et il était temps d'en faire un Photoshop. Alors, sur les images officielles, on voit que le véhicule est quand même relativement maltraité et qu'il résiste plutôt bien. Hein, je veux dire, on peut aller dans l'eau, dans la boue. On peut forcément aller faire le con dans les Émirats, dans le sable, hein, comme beaucoup font avec leur 4x4 haut de gamme. Et on peut même aller faire du drift dans la neige. Hein, donc, en gros, c'est un véhicule qu'on peut maltraiter. Donc, pour moi, je me suis dit, si on peut le maltraiter, pourquoi pas en faire un petit peu comme la Bugatti Chiron, un véritable drift missile, quoi. Donc, pourquoi pas tenter le coup, quoi. Alors, je me suis lancé là-dedans, hein. J'ai pris 7 images parmi les images officielles. Déjà parce que c'est une image de très bonne qualité, hein, on a une très belle résolution. Et parce que, eh ben, on dirait vraiment que le Cullinan est en gros survirage, quoi. Clairement, on dirait vraiment qu'il part du cul et que le conducteur essaie de rattraper un peu son drift. Donc je me suis dit, l'image est parfaite pour. L'image est parfaite en gros pour faire ce que je veux faire. Alors, première étape, je voudrais le plaquer au sol, littéralement le plaquer au sol, donc il perd complètement toute son utilité. Moi, je trouve ça assez drôle de commencer par ça. Donc voilà, on l'abaisse en gros autant que possible, et on va élargir complètement les voies, hein, par la suite. Donc, première petite étape, quand on va drifter, on baisse la vitre, parce que comme ça laisse rentrer le sable à l'intérieur de la bagnole. Ça salit tout, c'est pratique. Hein. Puis une Rolls-Royce Cullinan plein de sable à l'intérieur, je pense que ça doit être sympa à nettoyer ça. Bon, alors comme je disais, première chose à faire, on va élargir complètement les voies. On va y mettre des bonnes grosses roues. Donc j'ai gardé les roues d'origine, hein, histoire de rester sur du Rolls-Royce. Mais je suis. Grâce à Photoshop, on peut gagner quelques pouces en diamètre de roue. Et puis, j'aurais donné un petit angle, hein, histoire de faire vraiment drift, quoi. Alors, ensuite, j'ai été piquer un kit Liberty Walk sur c'était une F458. F458 Liberty Walk. Donc là, on se retrouve avec un Cullinan beaucoup plus large, avec des pièces riftées sur la carrosserie. Il y a déjà pas mal de monde qui doit crier au scandale en voyant le Cullinan dans cet état. Et je suis désolé de vous dire que c'est vraiment, vraiment pas fini. Première chose que j'ai fait, c'est un petit impact sur le côté du pare-choc. Voilà, juste une. Je sais pas trop ce qui s'est pris, mais peut-être il a frotté un muret ou peut-être une autre voiture, je sais pas. Mais il a frotté quelque chose là, juste sur le coin du pare-choc avant, on a frotté quelque chose. Forcément, à force de faire le con dans le sable, le véhicule se salit, le véhicule commence à prendre des traces. Hein, donc j'ai mis quelques traces dans la calandre, un petit peu tout autour du véhicule. La voiture s'est pris quand même quelques jetons, hein, forcément. Donc déjà, première chose qui s'est passée, ah, elle a perdu le phare côté conducteur. Hein. C'est des choses qui arrivent, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Sûrement trop de sable. Malheureusement, ça arrive. La voiture est extrêmement basse, hein, comme on peut s'en rendre compte. Donc cette petite plaque en alu là, je suis pas sûr qu'elle va bien tenir. Donc déjà, elle se décroche légèrement. Je pense que ça c'est évident. Petite lamelle en alu que l'on a dans la prise d'air basse, là, côté conducteur. Eh oui, elle se plie. Sûrement une petite pierre ou quelque chose qui est venu taper dedans, hein, c'est tout à fait possible. Et là, malheureusement, c'est le gros choc à l'avant. Le très gros choc à l'avant. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais toute la partie du pare-choc sous le phare a complètement disparu. Forcément, l'aile s'est également pas mal déformée. Heureusement, on a mis des petits serre-fils pour tenir la carrosserie en place, hein, histoire que ça s'envole pas complètement. Mais le phare, bah les supports ont cassé, donc le phare tombe, hein, malheureusement. Le phare ne reste pas en place. Heureusement, on a prévu quand même un petit système de fixation, histoire que le phare ne tombe pas plus bas et que l'aile ne s'envole pas complètement, histoire d'avoir son Cullinan en à peu près une seule pièce quand même, quoi.
Et là le propriétaire s'est dit, ah, je vais faire un gros montage turbo. Donc, allez, bam, gros intercooler en dessous de la calandre, histoire de refroidir le turbo. Hein. Mais là, la calandre n'a pas résisté. Sûrement une vieille souche d'arbre, quelque chose, je ne sais pas. Mais forcément, la calandre s'est pas mal abîmée. Donc, on a perdu le logo Rolls-Royce et un morceau de la calandre. Là, elle commence vraiment à avoir de la gueule. Je commence vraiment à aimer ce Cullinan, là, dans cet état-là. Alors, on va également... C'est une idée qui m'a été soufflée sur le Discord. C'est de mettre un gros échappement sur le capot. Donc, allez, je mets un gros échappement sur le capot. J'en profite également pour virer le Spirit of Ecstasy. En gros, la statue que les Rolls-Royce ont sur l'avant du capot, hein, parce que à mon avis, ça n'aurait pas résisté longtemps, ou alors dans le meilleur des cas, elle se serait simplement cachée à l'intérieur du capot, comme sur les Rolls-Royce. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en gros, dès que quelqu'un vient jouer trop avec la statuette, ça se rentre complètement dans le capot et ça disparaît. Donc, on peut imaginer soit qu'elle a été complètement arrachée, soit qu'elle est cachée dans le capot. Alors, je vais quand même mettre mon petit logo LSD sur le haut du pare-brise, histoire que si jamais je me fais lâchement piquer l'image, que je puisse dire que c'est la mienne. On va mettre un petit strap de remorquage, hein, le truc très, très drift, très drift machine, quoi, en gros. Donc, petit strap vert. C'est une couleur qui va pas du tout avec le reste, et je trouve que c'est justement assez marrant de le faire comme ça. Et puis, on peut très bien s'imaginer que c'est un mec qui aurait aimé filmer la destruction de son Cullinan. Enfin, moi, j'aurais adoré voir ça. Donc, je me suis permis de rajouter une petite GoPro sur la portière, juste pour dire, voilà, tout ça a été filmé, on filme la destruction du Cullinan. Donc voilà où on en est. Alors ça, c'est le Photoshop final. Donc j'espère qu'il vous plaît. Moi, je me suis éclaté à le faire, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai fait ça hier en gros en live sur le Discord. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre d'ailleurs, hein. Le lien pour le Discord est en bas dans la description. Il y a également le lien pour mon Instagram, pour d'autres réseaux sociaux. En attendant, je vous invite à aller voir les JPEG finaux sur le Facebook également, hein. Je poste à chaque fois les JPEG finaux. Donc il y a la A1 que j'ai fait récemment, et je vais également poster les visus de ce Cullinan complètement défoncé. Et puis, bah, comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres Photoshop et à vous abonner. Bah, allez, bye bye.